J'ai vraiment envie de changer cette terre pour mettre de l'ordre dans ma tête. Qu'est-ce que tu en penses, chère Néma? Je pense que c'est une très bonne idée. Ainsi, je mets tout en stand-by ce week-end et on va limer. Merci beaucoup. Je savais que tu allais trouver la solution rapide. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Je comptais me rendre dans un restaurant de la place. Mais comme tu venais, j'ai remis tout cela plus tard. Mon cher Indéma, à cette allure, tu dois perdre le poids. Qu'est-ce que je peux te faire rapidement à manger? Maman Choco, tu veux préparer pour moi? Mais Indéma, je te rappelle que j'ai une cafétéria, hein, et que dans ma vie antérieure, je travaillais dans un grand restaurant de la place. Ben, si tu insistes, ça me fera énormément plaisir de te voir à l'œuvre chez moi. Il y a presque tout à la cuisine, hein. C'est par là. Maman est où? Elle est dans mon portefeuille. On t'a pas appris à dire bonjour? Aujourd'hui là, il ne veut même pas les disputes. J'ai un truc très urgent à fermer mon téléphone. Elle est où? Tu as toujours les urgences, même si on ne voit jamais. Je sais, c'est vraiment urgent cette fois-ci. Tu connais le Nora Benoura Foster? Parle, qui ne la connaît pas avec son dynamisme. Voilà. En ce moment, elle est en train de recruter les meilleurs TikTokers pour la nouvelle marque de sa gamme de produits. Et comme je te parle là, elle a recruté près de 5 influenceurs. Jusque là, je... Oui, mais je ne te retrouve pas toujours dedans. Justice, sois mal. Les pièces que tu écris pour moi la dernière fois, non. C'est le meilleur moment pour moi de les jouer, les balancer sur ma page de TikTok. Justine. Non. Si ma petite sœur avait besoin de moi sur ce coup-là, qu'est-ce que je pouvais bien faire? Justine, s'il te plaît, tu peux me prêter ton téléphone pour aujourd'hui. S'il te plaît, ma grande sœur chérie. C'est un péché d'être ta sœur. S'il te plaît, ma sœur chérie. Je suis fatiguée de toi. S'il te plaît. Ma grande sœur chérie. Akamba, où vas-tu comme ça? Et sans me dire au revoir. L'étranger dans cette ville, c'est toi. Donc reste surveiller la maison. Moi, j'ai des choses à faire. Hé. Hein? Justine, j'avoue parfois que j'ai du mal à te comprendre. Je t'ai plusieurs fois fait part de mon désir de faire partie des réseaux TikTok. À chaque fois, tu m'as découragée. Pourtant, ta petite soeur, tu la soutiens. Pourquoi tu refuses de comprendre qu'elle même je n'accepte pas? Pourtant, elle refuse catégoriquement de faire autre chose. Elle dit qu'elle veut être influenceuse nette. Maman a confisqué son téléphone à cause de ça. Tu penses que c'est de gaieté de cœur que je la soutiens? Mais non! C'est parce que je prie un jour qu'elle réalise d'elle-même qu'il y a mieux que ça à faire dans la vie. Maintenant, tu me lâches avec ce sujet. Justine, voilà, la dernière fois, tu as dit que tu devais me parler de tic. Maria, ne recommence pas toi aussi. Justine, bonjour. Tu n'es même pas obligée de répondre. C'est ta mère que je suis venue voir. Et je constate qu'elle n'est pas là. Tu vas lui passer mon message. Tu vas lui dire que moi, Akamba, je ne suis pas revenue dans cette ville blaguée. Voilà. C'est qui? C'est une droguée qui a tellement bu et fumé que ça lui tourne la tête.
Passe-moi la main, je vais te Qu'est-ce que j'ai dit de grave? S'il vous plaît, arrêtez-moi vos cris déjà. Hein? Vous allez gérer ça plus tard. Pour l'instant, on a une cliente à satisfaire. Merci. Passe bien la main, s'il vous plaît. Il faut lui demander d'arrêter de lui parler. Passe bien la main.